Salut l'équipe, salut la team, voilà victoire 3-1 contre Saint-Etienne, ça fait plaisir parce qu'on les sort de la Coupe de France. Ratatatata. En Coupe de la Ligue, on les a vu sortir aussi. Ratatatata. Et avec Lyon, c'était pareil parce qu'on les a sortis aussi des coupes, Coupe de France, Coupe de la Ligue, tu vois ce que je veux dire. Mais j'avais oublié de le préciser dans l'ancien débrief parce que apparemment, ils ont pris des ailes les Lyonnais, tranquillou, on vous l'a dit, vous méritez 100% le match. Tout le monde a dit, personne parle d'arbitre, personne a un truc. Le seul truc, c'est votre président, là. Le pervers, le vieux pervers, là. Olas. Hein. Il ose dire, bravo mon équipe, ils ont joué comme l'équipe du Real. Vous êtes vrai, votre président, il vous achève. La vie de ma mère, il est en train de vous achever. Sur Twitter, il vous achève. Vous me faites rire, les Lyonnais. Hein. Vous me faites rire, mais pourquoi? Parce que lâchez que vous êtes contents. Parce que Saint-Etienne, ils sont comme vous. On vous a sorti, et là, on sort Saint-Etienne. Donc, logiquement, vu que c'est vos ennemis, là, vous avez le sourire. Eh bah ouais. Non, mais y a que nous. Mais c'est normal, nous, on défend nos titres. Tu vois, on a gagné 4 titres la saison passée. Donc, logiquement, là, on va défendre nos titres. Et ouais, même si ce match-là, il a été compliqué. 45e première minute, première mi-temps, impeccable. C'était maîtrise du ballon, ça les faisait courir, tranquillou, sans se fatiguer. Mis à part Blaise Matuidi, je l'ai senti, parce qu'il cavalait de partout. Blaise Matuidi, il a fait un bête de match. Franchement, il cavale partout. Malheureusement, il s'est blessé. Apparemment, c'est les choses jambiers. J'espère que c'est rien de grave. Parce que si on perd un Matuidi en Champions League à Stamford Bridge, ça commence à faire chelou. Parce que là, même en fin de match, ils en pouvaient plus. Deuxième mi-temps, catastrophique. Ils n'arrivaient plus à sortir de ballon. Même le milieu de terrain, ils n'arrivaient pas à le dépasser. Heureusement, il y a la pépite Lucas. Il rentre, il fait le taf, il pénètre dans le boule, tac, normal. T'es, tout le monde éteint. Galtier, il est cassé. T'es, il était blanc. Comme un Lotus, tu vois. Mais après, sinon, ça passe. Franchement, ça passe. Demi-finale, on tombe contre Lorient. J'espère que les Marseillais, hein, bande de merde, j'espère au moins vous allez gagner contre Granville, parce qu'avec vous, on sait jamais. Tu vois, parce que là, c'est une cinquième division. La saison passée, une équipe vous a sorti aussi en Coupe de France, si je me souviens bien, c'était Grenoble. Ils étaient troisième ou quatrième équipe de division. Ouais, je crois que c'est ça. Ils étaient en troisième ou quatrième division. Ouais, bien sûr. Donc, on sait jamais avec vous. Donc, essayez de gagner au moins ce match pour le spectacle en finale, tu vois. Au moins, Stade de France, il y a un classico. Hop, et on vous tape encore pour la dixième fois d'affilée, franchement, parce que nous, on ne veut pas vous esquiver. Peut-être que vous vous dites, oh, j'espère que Lorient va gagner. Gros, nous, on veut vous, on ne veut pas Granville, même si on respecte Granville, ça serait magnifique aussi, des amateurs, ils viennent jouer contre des stars. Mais on veut vous, nous, on n'esquive personne, on veut vous taper, et encore taper, et encore taper, jusqu'à qu'on crève, sa mère. Sinon, voilà. Moi, ce match-là, j'ai pas apprécié. Déjà, France 3, c'est de la merde. Les commentateurs, ils t'hypnosent. Et on dirait ils veulent t'endormir, sa mère. Et ils disent de la merde. Des fois, Marquinhos a le ballon, il dit Thiago Silva. Et ils sont perdus. C'est chiant, franchement, on est là. C'est chiant, c'est pour ça, tranquillou. Là, on va s'attaquer à Montpellier, 17h. Vendredi, le samedi, je crois. Et après, c'est Chelsea. Parce qu'attention, là, ils ont montré une petite faiblesse ce soir. Ils étaient tous morts, ils étaient tous fatigués, j'ai pas compris, franchement, c'est parce que Laurent Blanc, il fait pas tourner trop, on a mangé tout depuis le début de saison, on fait que de manger, on mange tout le monde, c'est-à-dire, ils pouvaient mettre des joueurs, je sais pas, moi. Là, tu le sens, de toute façon, je sais pas si je suis fou, mais là, vous le sentez, les joueurs, ils commencent à s'épuiser un petit peu. Bref, l'équipe, je vous dis bonne soirée à tous, et là, on tombe en demi contre Lorient, et ça va aller belle. J'aurais préféré contre Marseille directement, tu vois. Mais bon, c'est une finale, c'est encore plus beau une finale. Vas-y l'équipe.